Bonjour, Monsieur Sami Ben Cheikh El Hussein, bonjour. Bonjour à vous, merci de m'inviter. Alors, nous allons profiter de votre double casquette pour parler de deux droits d'auteur et Constantine, capitale de la culture arabe. Protéger la propriété intellectuelle, vous y êtes pleinement engagé. 120 000 CD et DVD piratés et contrefaits ont été saisis par les services de sécurité durant le premier trimestre de l'année en cours. Et vous vous êtes engagé à en détruire pour l'année 2015, 2 millions. Entre 2012 et 2013, vous avez saisi près de 3 millions de CD et DVD contrefaits. Mais vu les chiffres, la situation est-elle inquiétante, M. Ben Cheikh, vu le nombre effroyable de téléchargements illégaux et de piratages? Oui, merci d'aborder cette question. Effectivement, la lutte, c'est un combat en fait, c'est un combat quotidien que nous menons contre toutes les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et particulièrement aux droits d'auteur. C'est un fléau mondial, c'est un fléau qui est international et tous les pays éprouvent des difficultés à faire respecter les droits d'auteur. En Algérie, effectivement, depuis quelques années, il y a une véritable stratégie qui a été mise en place par l'ANDA. D'abord en amont, associer toutes les institutions, parce qu'avant il n'y avait pas de coordination. Donc aujourd'hui l'ANDA a engagé un partenariat avec les douanes algériennes, avec la DGSN, avec la gendarmerie nationale, avec le ministère du commerce, mais également avec des partenaires comme Microsoft, comme Google pour l'exploitation des vidéos sur YouTube. Et donc cette première action se fait au niveau de la coordination. Deuxièmement, nous faisons des actions de sensibilisation du large public et notamment du jeune public, donc au niveau des lycées, au niveau des universités. Nous organisons régulièrement des activités de promotion de la propriété intellectuelle. Nous venons de fêter la journée mondiale en collaboration avec la radio algérienne, avec Gilles FM, avec El Badja, etc. Et nous avons mené une action pendant une semaine en direction des lycées et ça a donné de très bons résultats. Mais justement, par rapport aux chiffres, alors vous en avez détruit entre 2012 et 2013 2 millions, vous promettez d'en détruire encore 2 millions pour cette année. Pourquoi avons-nous atteint ces niveaux, puisqu'une loi existe, elle date de 2009, sur la propriété intellectuelle? Est-ce à dire qu'elle n'est pas appliquée, cette loi, aujourd'hui, Monsieur Ben Cheikh? D'abord, cette loi, c'est une loi qui a été élaborée et adoptée par nos amis des MPTIC, donc depuis 2009, qui aborde ces questions de téléchargement illégal. Et à mon sens, c'est une loi qui a le mérite de définir toutes les situations qui se posent en Algérie, sauf que je crois savoir que à ce jour, donc les textes qui permettent d'appliquer cette loi, les textes d'application n'ont pas encore été pris. Pourtant, elle date de 2009. Voilà, 2009. Et au niveau de l'Office national des droits d'auteur, nous nous acheminons vers le réaménagement de la loi de 2003, donc l'ordonnance 0305 relative aux droits d'auteur. Nous allons la réaménager pour la mettre en conformité avec le système international de la propriété intellectuelle. Vous savez qu'en 2013, l'Algérie a adhéré à deux traités importants que nous appelons traités Internet au niveau de l'OMPI et qu'il est urgent aujourd'hui de mettre à jour un peu notre dispositif législatif de manière à ce que la loi puisse prendre en charge toutes ces atteintes. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez, cela veut dire quelque part que vous allez détourner la loi adoptée en 2009 par le ministère des Postes et Télécommunications, ou alors vous allez carrément demander à une révision de la loi sur les droits d'auteur datée de 2003? Alors nous allons, pour la loi de 2003, ben écoutez, la loi de 2009, celle des MPTIC, est une loi qui fondamentalement aborde les aspects télécom, les aspects internet, entre autres, elle a abordé ces questions de téléchargement, donc d'exploitation illégale des œuvres à partir du réseau Internet. La nôtre, la loi 0305, est une loi qui régit les droits d'auteur et droits voisins. Et donc, dans la partie sanction, donc lorsqu'il y a une exploitation abusive ou une exploitation sans autorisation, il y a des sanctions qui s'appliquent. Nous allons renforcer ces sanctions de manière à aller vers toutes ces formes d'exploitation abusive, toutes ces formes d'exploitation illicite pour, j'ai envie de dire, réprimer.
Mais justement, vous parlez de réprimer, qu'est-ce que vous allez proposer? Est-ce que vous allez vous inspirer de ce qui se fait dans tous les pays du monde et éviter, par exemple, ce qui s'est fait en France, la loi Hadopi, qui s'est attaquée aux individus et non aux providers? Oui, effectivement, la loi Hadopi, qui peine aujourd'hui à s'appliquer, je crois savoir qu'il y a même probablement une remise en cause, parce que la loi Hadopi a été en aval. Contrairement à la loi de 2009, la loi algérienne qui s'attaque un peu aux fournisseurs d'accès, aux providers. La loi Hadopi s'est attaquée à tous les utilisateurs dans toute leur diversité, donc les jeunes lycéens, les ménagères, les personnes de manière individuelle qui se voient. Vous savez, elle apporte des sanctions de manière graduelle. Donc, lorsqu'ils constatent une première atteinte, on vous envoie une simple lettre pour vous dire « attention, là, vous violez la loi ». Si vous répétez, là, on vous convoque au commissariat. La troisième fois, vous allez devant un juge. Et c'est une loi qui vise directement. Elle est très difficile à appliquer, en fait. Et vous, qu'est-ce que vous allez proposer pour éviter, ce type de situation aujourd'hui? Ce que nous allons appliquer, nous allons rester en amont. Pour l'aval, nous allons mener des campagnes de sensibilisation, comme nous le faisons, comme le font certains pays européens, comme le fait la Corée. La Corée qui est actuellement l'un des pays, si ce n'est le pays le plus fort en matière de respect des droits de propriété intellectuelle. Vous savez pourquoi c'est resté le pays le plus fort? Parce que la Corée a pris en charge des élèves dans les écoles. Ils ont commencé à parler de droits d'auteur dans les écoles, dans les lycées, et au bout de 15 années, tous les adultes maintenant sont des adultes qui sont formés au respect de la propriété d'autrui. On leur apprend dans des exemples, on dit, est-ce que vous pouvez utiliser le vélo de votre camarade sans son autorisation? Est-ce que vous avez le droit de vous servir sans lui demander la permission? Ils ont inculqué cette notion de respect de la propriété et aujourd'hui, nous avons une société coréenne qui vit dans le respect total de la propriété intellectuelle. Alors pour l'Algérie, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement aujourd'hui par rapport à cette loi de 2003? Par rapport à cette loi de 2003, nous allons proposer d'associer, donc de revenir vers tous les fournisseurs d'accès, y compris principalement par notre grand opérateur national, Algérie Télécom. Donc associer tous ces fournisseurs d'accès de manière à aller vers les adresses IP, donc toutes les adresses où il y a des constats d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle et aller vers des sanctions significatives, c'est-à-dire des sanctions dissuasives. Voilà. C'est-à-dire, en termes clairs, de grosses pénalités pécuniaires, de grosses pénalités qui vont, actuellement, la loi s'arrête à 1 million de dinars, nous allons probablement aller à 5 millions de dinars lorsqu'il s'agit de violation de la loi par des providers. Mais à partir de quand vous pensez mettre en œuvre cette loi aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en train de la discuter? Nous sommes en train de la discuter. Une équipe au niveau de l'ONDA, donc des juristes, nous travaillons sur deux niveaux. Un niveau d'abord sur l'expérience algérienne elle-même, ce que nous avons mené comme travail, mais également à la lumière du système international de la propriété intellectuelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie vient d'adhérer à deux importants instruments internationaux, les traités que nous appelons les traités Internet, le WTC et le WPPT, auxquels l'Algérie a adhéré. Aujourd'hui, il faut traduire ces deux instruments internationaux au niveau de notre loi. Il faut les transposer de manière à les prendre en charge par le dispositif algérien. C'était en termes clairs pour ceux qui ne nous comprennent pas ce matin, c'est-à-dire protéger les auteurs et les artistes contre des vols, c'est-à-dire sous de nouvelles formes aujourd'hui. Alors, vous parlez de constat d'atteinte à la propriété intellectuelle et droit d'auteur que vous devez impérativement protéger. Mais les premiers qui violent justement cette propriété intellectuelle, c'est souvent les artistes entre autres. Est-ce que c'est par méconnaissance? Oui, par méconnaissance probablement pour une part, mais par ailleurs, c'est également de manière délibérée. Hein. Vous savez que parfois, la chose la plus facile est de reprendre notamment le patrimoine culturel traditionnel, notamment les œuvres du patrimoine culturel traditionnel. Qui s'approprient tout ça. Vous savez que le patrimoine est menacé par deux grands dangers, comme je le dis très souvent.
Il y a d'abord l'oubli, on risque de l'oublier. Mais par ailleurs, il y a également l'appropriation illégitime. Les gens volent le patrimoine. Alors, beaucoup d'artistes marocains chantent des chansons d'origine algérienne. Ils se sont appropriés ce patrimoine aujourd'hui. Oui. Et ne vous en rien compte. Même si je vous le confirme, Souhila, les Marocains et les Tunisiens n'ont pas atteint le niveau en matière de propriété intellectuelle, n'ont pas atteint le niveau de l'Algérie au niveau mondial. Ils viennent faire leur stage chez nous, ici en Algérie. Nous les assistons régulièrement, nous assistons nos amis marocains, nos amis tunisiens à mettre en place leurs offices de propriété intellectuelle. Il est vrai qu'il y a, vous savez, il y a une véritable intertextualité entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Les frontières sur le plan culturel n'existent pas. Vous allez à la frontière avec le Maroc, c'est les mêmes œuvres qui reviennent, c'est les mêmes chants, c'est les mêmes musiques, et donc c'est très difficile. Mais ce qui est important, il faut préserver ce patrimoine de part et d'autre. Ben Cheikh El Houssine, Constantine, on en parle beaucoup. Un mois depuis le démarrage de la manifestation, tout se déroule comme prévu initialement, monsieur Ben Cheikh, programme, au niveau du programme, puisque beaucoup disent aujourd'hui que vous accusez de retard. Absolument aucun retard, je peux vous le confirmer, Souhila. Les programmes qui ont été mis en place sont en cours et sont actuellement mis en œuvre. Nous en sommes à la troisième série de semaines culturelles. Donc demain commencent les semaines de Adrar et de Chlef. Nous accueillons les Égyptiens donc, pour la deuxième semaine culturelle après celle de la Palestine le 16. Donc dans trois jours commence la semaine égyptienne. Nous sommes au troisième colloque. Nous venons de terminer le colloque sur les massacres coloniaux, donc du 8 mai. Et nous entamons le 8 juin le colloque sur les femmes résistantes. Nous avons les trois premières expositions qui sont en cours, donc l'hommage à Kamel Nazar, l'artiste plasticien de Constantine, l'expo sur les manuscrits et l'expo sur les rois numites. Les livres, nous avons avancé, nous avons près de 800 titres qui ont été attribués, qui sont en cours donc de fabrication. Également le cinéma, nous avons dévoilé la liste et les producteurs ont signé leur contrat et nous avons même organisé quelques premiers tours de manivelle à Constantine. Ce qui a été prévu, le théâtre également a été parmi les premiers départements à commencer. Donc moi personnellement, sans véritablement tomber dans un peu cette euphorie ou cette autosuffisance, mais je vous dis que ce qui a été prévu, difficilement probablement, mais nous sommes dans les temps et j'espère que ça va continuer. Aujourd'hui, moi je peux vous dire une chose, Constantine, 11h du soir, il y a des familles qui sortent avec des poussettes et qui prennent des glaces, ce qui a changé. Avant, Constantine, à 6h l'après-midi, il n'y avait plus rien. Et c'était difficile de trouver une baguette de pain. Alors, le Zénith, la salle de spectacle baptisée Ahmed Bey, elle affiche complet tous les soirs pour le spectacle. Elle affiche, absolument. La salle Ahmed Bey affiche complet tous les soirs. Nous venons d'organiser un spectacle le 7 mai dernier. Il y a deux jours de l'Orchestre Symphonique National. Et je peux vous assurer, en présence de Madame la Ministre qui était à Constantine, et la salle Zénith a affiché complet. Et nous avions beaucoup de monde à l'extérieur qui avait des difficultés pour obtenir des invitations. Alors, commissaire, vous êtes commissaire de la manifestation, vous dites que tout est prêt, tout se déroule comme prévu, mais sur le plan des infrastructures, certains disent quand même qu'il y a eu de retard, même la ministre l'a elle-même reconnu. Est-ce que les infrastructures ne relèvent pas de vos prérogatives? Absolument, les infrastructures ne relèvent pas des prérogatives du commissariat, elles relèvent du plan de développement de la wilaya. Effectivement, il y a quelques retards, notamment pour la bibliothèque qui était prévue. Et là, écoutez, il y a parfois des difficultés naturelles. Et ils ont creusé, ils ont découvert des vestiges romains et donc ils ont été obligés de déplacer un peu le terrain. Il y a des difficultés assez sérieuses qui ont empêché donc le lancement de la bibliothèque ou du musée d'art moderne de Constantine, ainsi que le pavillon des expositions. Mais le pavillon des expositions, je crois savoir qu'il sera réceptionné au cours de 2015, donc vers le mois d'octobre
ou novembre. Sinon, le gros des projets qui nous ont permis de lancer l'activité était prêt. Hein. Le palais Melk Haddad, le palais El Khalifa, le théâtre, la salle du Zénith, Ahmed Bey, ont été prêts et nous avons commencé à y mener nos activités. Mais que s'est-il passé avec la statue Abdelhamid Ben Badis, monsieur Benchir? En fait, la statue... Elle a suscité beaucoup de polémiques. Oui, elle a suscité. On n'avait pas vraiment besoin de ces débats. Elle a suscité beaucoup de polémiques. En fait, c'est un cadeau. Donc, c'est un cadeau. C'est, comme on le dit un peu partout, c'est une mesure d'accompagnement. C'est une société portugaise qui intervenait avec un entrepreneur à Constantine et qui a fait le centre-ville. Donc tout le revêtement, la décoration du centre-ville, les bacs à fleurs, et comme mesure d'accompagnement, ils ont fait cette statue qu'ils ont ramenée du Portugal, mais bon, elle n'a pas eu vraiment le succès auprès des Constantinois, et donc il y a eu parce qu'elle ne reflétait pas c'est Ben Badis, voilà, c'est en termes de proportion, par rapport à son âge, il est mort à 51 ans, et là on avait l'impression que c'était un vieux de 80 ans. Absolument, et donc Monsieur Louali a pris une très sage décision, il a retiré et il a lancé un appel à tous les artistes de Constantine pour qu'ils s'impliquent et qu'ils fassent des propositions. Mais vous êtes le président de la manifestation, est-ce que le commissaire de la manifestation, est-ce que vous auriez pu peut-être être un peu plus prudent en voyant la statue, toutes les autorités également impliquées dans la manifestation, je vais vous dire, avant qu'il y ait cette polémique suscitée par sa petite fille. Oui, je vais même vous surprendre, j'ai découvert la statue en même temps que les Constantinois. J'ai découvert la statue, d'autant qu'elle a été montée la nuit, et donc le matin, comme tous les Constantinois, j'ai découvert, je ne savais même pas qu'il allait y avoir une statue, et j'ai rejoint un peu le mouvement, même M. Louali a accepté, a adhéré, d'autant que la famille de Cheikh Abdelhamid Ben Badis a réagi de manière tout à fait légitime. Alors, autre aussi polémique, la manifestation, c'est l'équivalent de 7 milliards de dinars dégagés pour Constantine, capitale de la culture arabe. Alors, beaucoup parlent de ce financement, on parle de détournement, on parle de mauvaise gestion de ces deniers, on parle de manque de transparence. Quel est votre commentaire sur toutes ces questions soulevées aujourd'hui, dites ici et là? Oui. Je n'ai pas voulu m'impliquer un peu dans ces débats parce que moi, au départ, lorsque les gens ont commencé à écrire, j'ai dit pour moi, c'est un non-événement. Pourquoi? Pourquoi c'est un non-événement? Parce que Constantine est ce que nous appelons un CAS, un compte d'affectation spéciale qui est régi par des textes. Et par des textes, croyez-moi, plus fermes que les textes qui régissent d'habitude la gestion dans les entreprises. Donc, pas moyen de détournement. Pas moyen de détournement, je peux vous assurer. Nous avons un contrôleur financier, nous avons des départements avec des budgets, des programmes qui sont validés, et donc l'argent a été affecté à ces départements au prorata de ce qui a été prévu. Donc, chacun, par exemple, le théâtre avait un programme qui coûtait 500 à 600 millions de dinars avec le nombre de pièces pour adultes, le nombre de pièces pour enfants, les ateliers, le séminaire, le festival, et donc l'argent a été affecté. Le chef de département du théâtre doit s'en tenir à ce programme. Il ne peut pas quitter ce... S'il fait une seule dépense non prévue sur le programme, elle ne passera pas parce que toutes nos dépenses passent par un contrôleur financier. Tout est transparent. Croyez-moi, tout est transparent et nous avons beaucoup de rejets. À chaque fois, lorsqu'il manque une dépense qui n'est pas prévue, elle nous est rejetée par le contrôleur financier qui nous dit « débrouillez-vous », mais elle ne peut pas passer. Donc voilà, aujourd'hui, nous travaillons avec ce contrôleur financier, nous prenons le soin de vérifier toutes nos dépenses avant même de les projeter. Alors pour le Salon du Livre, que s'est-il passé, M. Benchir? Pourquoi il ne s'est pas tenu? Le Salon arabe du Livre... a été proposé, effectivement. Moi, je considère que c'est un événement extraordinaire, c'est un événement trop important pour qu'on le programme avec autant de facilité. On avait 2 mois pour le préparer et on voulait organiser la réunion du conseil d'administration de l'Assemblée des éditeurs arabes, parallèlement à la tenue de ce Salon du Livre avec des hommages à de grands auteurs algériens. La date proposée, qui est le 20 mai, m'a semblé, même Madame la Ministre a adhéré à
mon choix, et donc nous avons préféré décaler, reporter la tenue de ce salon sur 2016. Nous aurons plus de visibilité et nous serons prêts matériellement. Est-ce qu'on peut considérer que cette manifestation, c'est l'occasion de promouvoir la culture algérienne dans toutes ses dimensions, hein? Merci de poser cette question. Moi, j'attendais cette question parce que je vais encore lancer un appel. Je vais dire à nos amis de Constantine, parce qu'il y a eu un véritable amalgame au départ, dans la mesure où certains artistes, de nombreux artistes de Constantine, avaient pensé que la manifestation Constantine, capitale de la culture arabe, c'est Constantine, capitale de la culture constantinoise. Et donc, les gens n'acceptaient pas tout ce qui venait de Béchar, de Tizi Ouzou ou de Béjaïa. Ils disaient, non, pourquoi faire travail avec des artistes ou avec des initiatives ou des projets qui viennent d'un peu partout. Nous, au commissariat, on a soutenu, on a dit qu'il s'agit de la culture arabe et Constantine n'est que la capitale. Voilà, c'est bien d'avoir posé cette question. Avec la dimension, bien sûr, amazirité. Oui, la dimension amazir a été retenue depuis le départ dans tous nos visuels, sur le site de la manifestation rassantena.org. Nous avons une partie en Tamazirt, sur notre revue Maqam, une partie en Tamazirt, et je tiens à remercier au passage nos amis du HCA, M. Assad particulièrement, qui sont en train de nous assister donc, et de diriger vers nous des articles culturels en Tamazirt. Mais quelle est la portée par rapport à cette manifestation du point de vue un peu aussi artistique et culturel, Monsieur Benchir? Parce que beaucoup, à travers les pays arabes, chantonnent ou fredonnent notre musique sans savoir quelque part que c'est la nôtre. Ben oui, effectivement. À part celle portée par certains grands chanteurs comme Khaled, par exemple. Voilà, absolument. Nous avons une diversité culturelle extraordinaire en Algérie. Nous avons une multitude de formes d'expression, de formes d'interprétation sur la musique algérienne, le théâtre algérien, la poésie. Mais également, il y a une grande part de l'amazirité qui est en nous. Constantine, c'est Sirta. Constantine, c'est Massinissa, c'est Sifax, c'est Urulta. Constantine, c'est la Kahina aussi. Constantine a un esprit mazir qui est dedans. Vous allez à Constantine et vous sentez l'histoire. Voilà. Alors, une question d'un auditeur qui nous a contacté sur notre page Facebook par rapport justement à votre casquette de directeur général de l'ONDA. Il vous dit, pourquoi ne pas ouvrir des antennes à proximité des bureaux de douane pour se rapprocher des opérateurs et leur éviter de longs déplacements en créant de l'encombrement sur nos routes? Elles existent de toute façon, hein, sans se déplacer vers l'ONDA, hein, les encombrements. Les embouteillages, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Ben écoutez, l'ONDA, actuellement, nous sommes à 14 structures régionales. L'ONDA, nous sommes à Mostaganem, nous sommes à Saïda, nous sommes à Tlemcen, à Chlef, à Oran, nous sommes également à Tizi Ouzou, nous sommes à Bjaïa, à Annaba, Batna, Sétif, à Gherdaya et à Alger. Donc, nous sommes déjà à 14 structures régionales. Et je vais d'ailleurs vous donner en exclusivité une information. Nous allons ouvrir dans les 2 semaines prochaines à Biskra. Donc nous allons avoir également une antenne à Biskra. Si c'est monsieur est de Biskra, eh ben, il aura la possibilité de s'adresser là-bas. Maintenant, s'il est à Ouargla, il va devoir attendre un peu. Alors, pourquoi un prélèvement de 3% de redevance de reprographie sur les imprimantes importées au profit de l'ONDA? Oui, les imprimantes ne sont pas importées au profit de l'ONDA. Les 3% de redevance, au profit de l'ONDA, voilà le prélèvement. Et ce n'est pas au profit de l'ONDA, je vais lui répondre tout de suite. La reprographie, c'est une redevance de droit d'auteur qui existe partout dans le monde. C'est un peu comme la copie privée, ça fonctionne, c'est une copie privée graphique. Donc c'est un peu au titre des copies que vous faites, par exemple pour l'imprimante, vous faites une copie sur votre PC, un photocopieur, vous faites des copies, et donc c'est tous les appareils qui permettent de faire des copies sont soumis à cette redevance qui est reversée à des auteurs et à des éditeurs de livres. Mais les droits d'auteur aujourd'hui, est-ce qu'on peut y vivre décemment, comme cela se fait dans tous les pays du monde? Les redevances sont tellement importantes qu'on y vit toute la vie. Pour une partie de nos auteurs, oui. Moi, je vous dis, pour une partie de nos auteurs, oui, c'est moi-même qui signe les décomptes de redevances et les chèques. Et croyez-moi, ils sont plus importants que par le passé.
Nettement. Je peux vous dire que certains auteurs ont véritablement été surpris quand ils ont vu la différence. Et croyez-moi, et un auteur, quand il a reçu un chèque, il pensait que c'était 16 000 dinars, alors que c'était 1 600 000 dinars. Croyez-moi. Monsieur Sami Benchir Al-Hossine, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci Sourila, merci beaucoup et merci à la radio. Merci.